Salut, salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Il dit, abonne-toi sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les quatre plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez me contacter. Si vous avez des informations à me donner, il dit, envoyez-moi. Là, on va décortiquer ça un peu. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter au moins un peu butumage qui se passe à Tingré là. Il dit, même la nuit encore, ça travaille. On dit avec Papa Ado là, même la nuit on travaille. Non, la nuit on travaille. On n'est pas là pour dire non, il est 17h, il est 18h, le lendemain on est venu travailler. Non, la nuit ça travaille. Parce qu'on a beaucoup de choses à faire. Regardez bien, regardez très bien, Butuma qui se déroule à Tingré là. Jusqu'à le reporter, mais lui-même là. Il va bien, hey Dieu. Il va vous donner ce qu'est l'as qui se relie tout ça là, ce qu'ils sont là à faire. C'est ceux-là comme ça, vous voulez que nous on a qu'à les chasser au pouvoir. C'est ceux-là, vous voulez que nous on a qu'à les chasser au pouvoir. Et on veut, vous voulez des danseurs qui vont venir danser, qui vont venir boire le vin. Non, quand même. Prenons-nous au sérieux. Prenons-nous au sérieux. Maintenant, hey, Ivoirien, Ivoirienne, moi je vous dis, les élections de 2025 là, c'est à nous de faire nos choix. C'est à nous de faire nos choix. Qui peut développer le pays? Qui est prêt d'enlever la Côte d'Ivoire dans la poussière? C'est ce monsieur-là, nous on va suivre. Nous ne sommes plus là pour dire non que oui, ils vont venir annoncer les proverbes, ils vont venir annoncer les belles choses et demain, zéro. Nous ne sommes plus dedans. Nous on veut le développement. Sans le développement, le pays ne peut pas avancer. On vous dit toujours. Vous qui êtes en Europe, là, vous qui êtes au pays là-bas, là, quand nous on vient dans les pays maghrébins, soit le Maroc, on vient là, on vous montre les images, non? C'est parce que les pays sont développés qu'on laisse on laisse nous-mêmes nos propres pays pour venir au Maroc, ou on s'en va en Algérie, ou on s'en va en Europe. C'est parce que les pays sont développés. Ils ont fait confiance à leur roi qui s'est donné, qui a tout fait. Mais pourquoi? Nous, papa, doit qui est en train de travailler pour nous, on doit le soutenir. On doit être à côté de lui. C'est nous-mêmes, on doit dire, Papa Ado, faut travailler seulement, on va avancer. J'ai dit, le développement commence toujours sur la route. Si la voie n'est pas bien faite là, mais mon frère, est-ce que qui va venir même, y a même les trucs de transport, même là, ça ne peut pas marcher. La famille, voici la vidéo, regardez très bien et écoutez. Et après, je vais vous parler un peu. Voici la vidéo. Le grand soir de soir. Salam alaikum. Je suis venu faire surprise à Abe. Ouais, vous voyez, ça travaille, hein, depuis la nuit. Donc toi, tu as la chance, hein. Tu es au bord du goudron. Tu sonnes net, tu verras le goudron. Donc bientôt, il n'y aura plus de poussière. Donc, ils sont rétablis la nuit. Lui,
Depuis le matin, ils sont là à travailler. Ah, Dieu merci. Depuis le matin? Depuis le matin. Est-ce que vous m'avez goudronné? Ouais. C'est ah, on comprend la leçon, tu vois. C'est ça que j'ai compris. C'est que goudron, c'est là nous on doit travailler. C'est rien, hein. Le goudron là c'est le développement. Regarde ici. Non. Non, après de pousser, mais ça va, ça va. Ça va diminuer. Mais s'il travaille la nuit, c'est bon. Eh, hey, Algaya, quand tu es venu acheter viande, non? Algaya, c'est pas venu acheter viande. Hein? Je suis venu coco chez un ami. C'est ce qu'il fait nuit, il est là de manger. Nous, la tchèque, nous, on se promène pour aller coco chez les gens. Il me demande que je suis venu acheter viande. C'est pas venu acheter viande. Le travail de la nuit. Et madame, elle est là. Ouais, madame, madame, madame. Elle est là, elle est là. Tu sais où je suis passé? Parce que la voie centrale là, vers la station totale là, ils ont barré, moi je suis rentré dans les quartiers.
Bon les gars. Bon les gars, est-ce que... On va vous laisser. Voilà, vous voyez, non. Et maman va travailler la nuit maintenant. Ça travaille fort fort. Là, c'est la voie... La voie qui mène à Kanakoune, la voie de Kanakoune. Là, c'est la voie qui mène à Kanakoune. Ça, c'est en train de partir, c'est en train de venir. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté et vous avez regardé les travaux qui se déroulent la nuit à Tingrela. À Tingrela, ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas du jeu, ce n'est pas au nord seulement. Tout ça en train de pousser. Hein. Ce n'est pas tout en Côte d'Ivoire. Oui. Partout en Côte d'Ivoire. Hein. Ce n'est pas où on s'en va faire. Et puis la nuit, les gars viennent déterrer. Hein. Les gars viennent casser des trucs là. Non. Parce que maintenant, si on veut faire, on met goudron chez vous, vous venez casser parce que vous voulez goudron de Gbagbo ou goudron de Bédi là. Nous, on ne fait plus chez vous encore. On ne fait plus chez vous encore. Il y a des gens même, il y a d'autres pays même là. Eux-mêmes là, eux demandent pardon à leur président. Pardon, il faut venir goudronner ici. Pardon, voilà, il faut venir gratter ici. Pardon, il faut faire ça là. Mais nous, on a eu la chance de trouver papa Adou. Tu es en train de travailler pour nous les Ivoiriens. Mais pourquoi des gens sont... Moi, je vois des personnes qui sont prêtes à le détester, qui sont prêtes à dire de n'importe quoi sur lui. Ah non, l'homme noir est méchant. Hein. L'homme noir est vraiment méchant. Quelqu'un, tu es en train de... Quelqu'un, tu es prêt à faire des belles choses en Côte d'Ivoire. Mais vous êtes là, non? Nous, on ne veut pas. Parce qu'il est burkinabé. Parce qu'il s'en prend crédit. Tout ce qu'il est en train de faire, c'est crédit. Mais si c'est crédit, puis ça se gâte demain là. Mon frère, quand même là, il a fait quelque chose. Il a fait quelque chose. Moi, là, dans la vie, non. Ne soyons pas bêtes. Hein. Ne soyons pas bêtes. Ivoiriens, Ivoiriennes, ne soyons pas bêtes, s'il vous plaît. Et regardez les autres pays, nos pays voisins qui sont autour de nous là. Il y a d'autres même là. Dans les grandes villes même là. Il dit, c'est poussière qui va les tuer. La poussière, il dit, la poussière qui va les tuer dans les grandes villes. Mais regardez Abidjan, regardez Yamoussoukro, regardez Boaké, regardez Daloa, regardez Kourougou, regardez Feke, regardez Boundiali, regardez Aboville, regardez Bouna. Il dit, la plupart des grandes villes, il n'y a pas assez de poussière là-bas parce que tout est tracé, tout est goudronné. C'est ça, on dit le développement. Et papa doit continuer de faire encore. Mais pourquoi moi je vois des personnes qui détestent papa Adou, qui ne veut pas l'évolution, qui ne veut pas le développement, qui ne veut pas l'évolution de la Côte d'Ivoire. Vous êtes là, non? Moi, lui, là-même, il fait quoi même? Je ne l'aime pas. Où? Mais si tu ne l'aimes pas, là, il faut penser à tes petits frères. Toi, tu préfères quelqu'un, tu vas aller prendre crédit et il va venir distribuer pour dire, voici le gâteau, on va manger ensemble. Mais si tu viens distribuer cet argent-là, les gens vont prendre ça pour faire les voyages bêtes, pour aller à Dubaï, pour aller donner ça aux filles, pour aller sortir avec les filles qui vont dire, non, une nuit seulement, c'est 1 million. Et il va sortir cette fille-là. Il va donner 2 millions, il va donner 10 millions pour sortir avec cette fille. Oh, c'est l'un des crédits. Crédit ça, là. C'est les autres qui vont payer. Oh, vous prenez ça, vous donnez ça aux petites filles-là. Elles vont aller faire les voyages de Dubaï, les voyages de... Cet argent-là, si vous prenez pour travailler. Si, Damaï Babo, c'est Damaï Adou en train de travailler. Bédi avait travaillé comme ça. Babo avait travaillé comme ça. Et Adou me continuait dedans, là. Ah! Qui pourrait même s'arrêter en Afrique de l'Ouest, mais qui pourrait s'arrêter devant la Côte d'Ivoire? Qui pourrait s'arrêter devant la Côte d'Ivoire? Personne. Mais aujourd'hui, regardez, des bandes de plaisanteurs sont venus jouer avec la Côte d'Ivoire. Oui, ils sont venus jouer avec la Côte d'Ivoire. Oui, on va faire ceci. Oui, on va mettre goudron ici. On va faire rien.
C'est dans les bouches, les projets. Projet qui n'a pas de sens. Oui, nous, on va faire ça là. On a fait ceci. Oui, c'est rien, il dit. Rien n'a fonctionné pour dire oui, on peut compter tel projet. Même regardez, le Cameroun même qui est là, ceux qui nous attaquent matin, midi, soir. Moi, je connais un Camerounais que je cause avec lui. Lui, mais il y a, quand j'ai fait mes vidéos, et puis lui, mais il dit, il est à la Côte d'Ivoire, il me félicite. Il me félicite, il dit, ouais, mon frère, vraiment, tu dis la vérité. Mais c'est ça. On ne peut pas être là. Oui, c'est pas le développement, on mange. C'est pas le développement, on mange. Mais si le président entre fait la voix là, c'est pour nous les jeunes de se mettre au boulot. C'est pas pour dire non qu'on va aller travailler. C'est pas tout le monde qui travaille dans le bureau. S'il y a la voix, ils sont là goudronnés, ils sont là fait tout là, mon frère. Il faut aller au champ. Tu vas faire tes petites activités où tu peux aller vendre. Mais tu peux prendre même, tu peux dire bon d'accord, je commence avec 100 000 francs. Tu finis de faire tes trucs. Tu prends tes trucs ou tu sèmes tes trucs. Tu loues maison et une petite voiture de 80 000 ou 100 000. Tu arrives à Djamé avec tes marchandises, mon frère. Tu descends seulement là. Même 100 000 mètres que tu as mis dans le transport, tu peux gagner triplé de ça. Et tu as commencé ton business comme ça. Parce que la voix, là, la voix n'est pas dégradée pour dire non qu'on va augmenter le prix des têtes. Non, non. Quand la voix est bien tracée, puis la voix est goudronnée là, mais le transport réduit encore. On réduit le transport. Et aussi, on ne dit pas aussi sur la route. C'est pour cela qu'on dit toujours, même que la personne qui n'a pas la tête, la personne qui a la tête, demande, faut lui demander, le développement d'un pays se repose sur quoi? On dit, c'est bitumeux, c'est la route. Mais c'est les plus bêtes là qui vont dire non, que oui, le peuple a faim. Le peuple a faim. Tu leur demandes pourquoi le peuple a faim. Ah Joe, tout est devenu cher. Mais tout est devenu cher là. Vous accusez le gouvernement. N'accusez pas le gouvernement. Accusez-vous mais vos 10 doigts. Accusez-vous mais vos cerveaux. Pour dire, attends, j'ai un cerveau, pourquoi il ne peut pas réfléchir pour travailler, pour gagner, pour faire mes business. J'ai mes 10 doigts, j'ai mes 2 pieds. Pourquoi je ne peux pas faire ça là pour gagner ma vie dedans? Vous ne faites pas ça. Vous êtes là en train de se masturber la tête. Oui, c'est le président. Oui, le gouvernement là. Eux, ils sont méchants. Le gouvernement là, eux, ils ne veulent pas donner travail aux gens. Eux, ils sont là. Entre eux-mêmes, ils se partagent. Mais si entre eux-mêmes, ils se partagent là. Entre eux-mêmes, si ils se partagent là. Toi, l'enfant des pauvres. Mais toi aussi, tu dois faire ton business. Si tu fais ton business là pour rentrer dans les loges là, faut faire ton business toi-même. C'est eux-mêmes qui vont te dire, ah mon petit là, vraiment, il a de l'expérience là, vraiment, on va le financer. Mais vous voulez qu'on vous finance, mais vous n'avez pas de projet. On fait des voies, on fait des routes pour vous-même, pour vous aider. Mais vous ne voulez pas. Vous dites non que ce n'est pas goudron on mange. Ce n'est pas la route on mange. Vous, c'est qui tu vous passe dans la tête, mangez seulement. Mangez seulement. Mais vous, nous les Africains, je connais. Quand un Africain est rassasié là, s'il ne fait pas attention, toi-même tu lui as donné la nourriture, mais il va t'insulter. Et quand tu parles là, il dit, mon frère, moi je suis rassasié, fais ce que tu veux. C'est ça l'Ivoirien, c'est ça l'Africain aime. Mais où tu dis, va, tu vas t'en sortir là. Il dit, tu es en train de l'insulter. C'est ça vous dites. Vous êtes là, vous accusez les politiciens. On sait que les politiciens aussi, là, eux ont un mauvais comportement. C'est pour ça qu'on vous dit à chaque fois que non, ne suivez pas les politiciens. Nous, on reconnaît que les politiciens, là, ce sont les philomanes, ce sont les menteurs. Faites très attention. Tu peux supporter un politicien, bien avant qu'il n'ait pas convenu au pouvoir, il peut te prouver. Promesse là, il va lui, mais il va dire, je vais décrocher la lune pour te donner, si je gagne. Mais dès qu'il gagne là, boum, c'est fini. Ça là, ça doit nous réveiller dans la tête. Les politiciens là, faut pas, on va les faire confiance jusqu'à coup de, parce que j'aime tel politicien, je vais aller tuer mon frère, ou je vais aller gâter les biens de mon frère. Politicien va pas te rendre riche, ça n'existe pas. Si un politicien t'a rendu riche là, dis-toi qu'il y a quelque chose, il va prendre en toi, non. Mais s'il t'a donné 1 million là, dis-toi que ce qu'il a vu en toi là, il va prendre plus de 100 milliards sur ta vie.
C'est pour cela qu'on vous dit, faites très attention. Ne suivez pas les politiciens comme des tétards, comme des bêtes. Nous-mêmes, on n'a qu'à se mettre au boulot. Seulement, ce qu'on peut demander aux politiciens, arranger nos pays, arranger les voies, arranger nos pays. C'est tout. C'est tout. Il y a plusieurs business. Regardez les pays développés là. Tu vois les jeunes là. Les gamins font les business. Les gars s'en sortent. Les gamins ne sont pas là pour dire non, que oui, nous on est là, on attend que le gouvernement va nous aider. Non. Ils font les marketing, ils s'en sortent, ils sont à l'aise, ils sont tranquilles. Tranquillement quoi. Mais si on dit non, oui, il y a marche ici là. Eux m'ont dit, Joe, moi il y a les marchés. Pourquoi? Je fais mon business hein, pour gagner ma vie. J'ai une famille à nourrir. Mais en Afrique, ce n'est pas ça. On attend pour que les gars puissent nous blaguer les 50 euros, les 20 euros, les 30 euros, pour que nous, on puisse aiguiser les machettes, les couteaux, pour aller agresser, pour faire une marche bête-bête là, pour aller agresser les gens. Souvent, me tuer, règlement de compte, c'est quoi ça? Ça nous donne quoi? C'est quelle image même on veut donner? Surtout au noir même. C'est quelle image? C'est pour cela, souvent, quand les blancs nous voyons, ils disent, mais regardez ceux-là. Vraiment, ils sont les singes. Hein. Ça nous fait mal. Nous, mais ça nous fait mal. Quand on nous traite des singes, ça nous fait mal. Mais en réalité, là, souvent, quand tu t'assois et puis tu vois le comportement même de ton voisin, là, tu dis, ah, vraiment, lui-même qui nous a insulté singe, il avait raison. Singe même est petit. Et puis, il dit, on est bête comme gorille même. Vous voyez des choses comme ça? C'est ça, nous, les Africains, on doit quitter dans ça. On doit quitter dans ça, mais on est là, on est bête, bête. J'aime pas telle personne, j'aime telle personne, j'aime pas telle personne. Souvent même là, vous êtes dans une cour commune. Lui là aime Alassane, l'autre aime Bédié, l'autre aime Gbagbo, l'autre aime Sorougiom, l'autre aime Afingessa, l'autre aime, Blé Goudé. Et les six ou les sept personnes là, il n'y a pas attente. Maintenant, si tu vois dans les loges là-bas, là, ils ont fait des choses comme alliance. C'est là que tu vas voir dans la cour, là, l'autre va faire alliance. Mais c'est quoi ça? Les blancs même qui nous ont montré la politique, là, eux-mêmes dans les familles, même, ils sont dans la même maison. Le papa peut être de la gauche, maman peut être de droite. Les enfants gauche, droite, et puis ils sont dans la même maison. Là. Le jour où il y a vote, là, l'autre s'élève, il s'en va voter et il vient s'asseoir, les gars rient. Mais en Afrique ici, en Afrique, souvent même quand ta maman est dans FPI, ou ta maman même est Soroïs, ou ton papa est PDCI, ou soit qui là même là, toi l'enfant maintenant on te demande c'est qui tu veux suivre. S'il dit telle personne, on te dit, ah, moi je ne donne plus déjeuner, l'autre il dit, moi je prépare, tu ne manges plus. Hein. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Et vous voulez que non? Comment, avec toutes ces réflexions-là, comment vous voulez que l'Afrique n'a qu'à se développer? Comment vous voulez que l'Afrique n'a qu'à se développer? Souvent, on réfléchit, même nos réflexions, nos nouveaux, même, est bas. Nouveaux intellectuels, même, des visions des politiques-là, nos niveaux est bas. Des gens sont à combien de kilomètres en Europe qui vous galvanisent, hein? Sortez, hein, venez dans les rues, hein, et faites ça là. Hein. Oui, on est panafricain, on est ici, on est ceux-là. Ah, vous aussi. Vous qui écoutez ceux-là, et puis vous qui êtes là pour se motiver, pour dire non, qu'on va faire marche, on va faire ceci là. Mais vous êtes les plus bêtes même au monde. Vous êtes les plus bêtes. Regardez ce gars qui est en train de travailler. Quand tu l'aimes, ce mec qui vous motive à demander, là, quand Bédié était au pouvoir, là, Bédié a fait quoi? Montrez-nous ce que Bédié a fait. Ils vont te dire non, Bédié, ils l'ont enlevé au pouvoir, les rebelles l'ont enlevé au pouvoir ou les militaires l'ont enlevé au pouvoir. Mais attends, même un mandat seulement, là, on sait au moins ça, en 5 ans, là, on sait ce que tu as fait. On sait ce que tu as fait au pouvoir. Même toi-même, là, la jeunesse même te réclame pour dire qu'il faut rester là. Mais nous, on est là. On demande Gbagbo à faire quoi? On dit non. Gbagbo, tant de Gbagbo, on dit que le prix de cacao était 1500. Tu demandes encore. On dit non. Gbagbo, lui, il l'a enlevé au pouvoir par la guerre. C'est des trucs comme ça. À part ça, là, ils ne vont pas te dire quelque chose que voici les âmes de Gbagbo, ce qu'il a fait. Montrez-nous. Il n'y en a pas. La famille. J'interpelle la jeunesse ivoirienne. J'interpelle la jeunesse africaine. Ne comptez jamais sur les politiciens.
Ne comptez jamais sur les policiers. Il y a des politiciens même là qui sont là, matin, midi, soir. Ils ont fait 10 ans, ils ont fait 20 ans, ils ont fait 40 ans. Eux-mêmes, leur propre village, leur propre département, mais n'est pas arrangé. Pour aller là-bas, là même, là, sur la route, là, route de 100 km, tu peux faire 2 jours. Parce que la route même est gâtée. Souvent, même les villages, leur propre village même n'est pas construit. C'est ceux-là comme cela. C'est si vous comptez et vous vous déchirez entre vous. Hé, jeunesse africaine, réveillez-vous. Quand un politicien vient là, ce que vous pouvez faire là, dites-lui, il faut arranger la route. Il faut arranger ce que tu peux arranger. Nous-mêmes, on fait nos petites affaires et on va être indépendant. On veut pas être à vos ordres à chaque fois. S'il y a des trucs, et puis vous allez le faire. Et nous, on va vous suivre comme des bétails. Non. Si les politiciens ont compris, et si nous aussi, la jeunesse de maintenant, la jeunesse africaine, ont compris aussi ce système-là, de dire nous-mêmes, on va faire nos activités. Vous allez voir, les politiciens même là, je juste si on dit à campagne là, je vous dira, eux-mêmes, d'abord ils font les t-shirts, ils mettent les photos, et puis ils vous donnent 2000 francs à un pain, à un sardine là. Pour venir parler là même là, eux-mêmes vont réfléchir, ils vont dire, ceux-là, mais ils ont l'argent, tu ne peux pas les blaguer 2000 francs, tu ne peux même pas les blaguer les t-shirts. C'est ça. Quand c'est quoi même, eux-mêmes, ils ont peur de s'approcher à vous. Parce que vous avez de la valeur. Quelle valeur? C'est parce que vous-même, vous faites vos petites activités. Vous gagnez vos vies. Vous n'êtes pas là pour dire non que oui, c'est, on compte si gouvernement. Quand c'est comme ça, on vous respecte. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Regardez dans les pays anglophones là. Les pays anglophones, tu vois un jeune homme, lui, il fait ses business en même temps. Tu le vois, tu es étonné. Mais pays francophones, on est là seulement, nos parents, nos grands-parents, nos grands frères même, ils sont là pour nous mentir seulement, pour dire que c'est le gouvernement qui ont serré vis là, qui ont tout bouché là. Donc c'est pour cela que rien ne marche. C'est faux. C'est parce que nos grands frères, nos parents sont bêtes. C'est eux-mêmes qui pourraient nous conduire pour dire, hey, faites ça là, vous allez vous en sortir. Ne comptez pas si les politiciens. Mais ils sont là, non. Hey, c'est les politiciens qui sont à la base. C'est les politiciens qui sont à la base. Mes chers frères, mes chers parents, viens faire cette vidéo-là, c'est pour vous montrer les réalisations que papa doit en train de faire. On dit, le développement, c'est la route. Pourquoi je parle de la route? C'est pour que nous-mêmes, là, nous les Africains, on puisse se lever. Si le gouvernement est en train de faire la route, on doit chercher à créer les activités. Le champ ne trahit jamais. Le champ ne trahit jamais. Il y a plusieurs choses que toi-même, tu peux s'aimer, tu peux planter. Qui peut réussir, qui peut même faire que non, on peut, parmi les milliardaires, on peut te compter dedans. C'est pour cela qu'on dit le champ ne trahit jamais. Mais vous êtes là, on est en train de se masturber la tête. Regardez Boule d'Atcheke. Atcheke que les gars vendent en Côte d'Ivoire 100 francs. Ici, même 200 francs, même ce qu'on vend en Côte d'Ivoire, Boule d'Atcheke 200 francs. Ici au Maroc où on est là, ça fait combien? Une petite boule seulement. C'est 1000. 200 francs quand tu convertis, 1200 francs. Donc celui mec qui envoie ici, il a bénéfice de 1000 francs. Il a bénéfice de 1000 francs. Vous-même réfléchissez. Si tu as fait champ de combien d'hectares de manioc et tu emploies des femmes, elles vont faire checker, vous attacher, vous envoyer ça dans le monde entier. Tu fais toi-même ta propre marque. Mais mon frère, ma soeur, c'est de l'argent qui va rentrer là. C'est de l'argent qui va rentrer, même piment en poudre. Ça vient ici là, c'est cher à l'étranger. Vous attachez et vous envoyez ça par les colis. Les gars viennent vendre ça en gros ici. Ou les gars viennent vendre ça en détail. Et à checker, même quand tu envoies à checker ici, au Maroc même, ça ne dure pas. Tu prends à checker, tu mets ça dans le congélateur, ça devient dur, bien sec là. Tu vends, ça sort, les gens même achètent ça comme ça. Mais pourquoi vous ne voulez pas faire? Palmier à huile. L'huile rouge même là, ça marche. L'huile rouge là même est chère même que l'huile banabana que les gars vendent dans les trucs. Il y a des choses même, vous-même, vous savez que nos frères, nos soeurs, ils ne sont plus au pays, ils sont à l'étranger. Les gars ont besoin de manger la nourriture africaine. Mais si toi, tu te bases dedans, tu fais ça dans ton propre pays et tu vends ça, c'est des milliards que tu vas avoir sans même te rendre compte. Mais vous ne voulez pas faire ça. Vous voulez rester au pays. Vous voulez rester à la maison.
pour dire que oui, c'est le gouvernement qui est à la base de nos malheurs, c'est le gouvernement qui ne veut pas nous aider, c'est le gouvernement qui sont ceci, c'est le gouvernement qui sont par là. Mais quand même, regardez les pays développés, eux ne comptent pas sur le gouvernement. Eux comptent sur eux-mêmes pour devenir quelqu'un. La famille, je ne vais pas être vraiment long dans cette vidéo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les quatre plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Je vous dis à très bientôt. Ciao.